Qui es-tu? Mon nom est Nadia Naclé, je suis auteure, dessinatrice et réalisatrice. Que fais-tu? Je fais de la bande dessinée et j'écris et je mets en scène aussi des spectacles pluridisciplinaires pour le spectacle vivant. Et je réalise aussi des films d'animation. Le dénominateur commun à mon travail, c'est à la fois le dessin, l'écriture et le mouvement. D'où viens-tu? Je viens d'une petite ville à côté de Poitiers. Pourquoi BD à Bastia? Ce que j'aime beaucoup dans BD à Bastia, en fait, c'est le fait qu'il y ait de nombreuses expositions. Enfin, c'est ce qui m'a notamment marqué dans ce festival, avec vraiment une mise en avant des auteurs, des temps de rencontre, d'échanges aussi. Qu'exposes-tu à BD à Bastia? J'expose dans le cadre du prix des lycéens, où en fait on est trois auteurs avec Si et Jean Aramba à avoir rencontré plusieurs lycéens qui ont ensuite voté pour l'album qu'ils préféraient. Et j'expose le travail de mon avant-dernier roman graphique qui s'appelle Les oiseaux ne se retournent pas. Un personnage, un détail, une anecdote. Je vais vous parler un petit peu plus des oiseaux ne se retournent pas. Du coup, je vais vous parler du personnage d'Amel. C'est une orpheline de 12 ans qui va fuir son pays en guerre et qui va rencontrer sur sa route un ancien soldat et joueur de foot qui s'appelle Bassem. Et le roman graphique, c'est vraiment l'histoire de cette amitié entre le soldat et l'enfant. Voilà.